Allez, on va jouer les maîtresses de maison, exceptionnellement. Je veux pas de visite, parce que j'ai pas passé le balai, parce que j'ai pas de liqueur aux fraises. Je veux pas de visite, je veux pas leur dire comment je vais, puis j'ai les cheveux tout défaits. Je veux pas de visite, parce que la maison est à l'envers, parce que je suis pas bonne cuisinière. Je veux pas de visite, parce que les cousins et les beaux-frères, ça me tombe un peu sur les nerfs. Parce que la visite, ça parle fort, et parce que c'est jamais d'accord. Parce que j'ai pas une grosse façon, parce que j'ai pas de plat de bonbons, parce que j'ai pas de conversation, je veux pas de visite. Je veux pas de visite, parce que quand ça sonne à la porte, j'ai comme une envie d'être mort. Toute la visite, c'est hypocrite en arrivant, et puis ça repart en m'émerrant. Je veux pas de visite, je veux qu'on me traite de sauvage, et que ça se dise dans le voisinage. Je veux qu'on m'évite, que des enfants demandent à leur mère, est-ce que c'est vrai que c'est une sorcière. Parce que la visite, c'est comme les fourmis, ça rentre et puis ça se multiplie. Ça vient tout le temps comme un cauchemar, ça pense qu'on est content de les voir. Ça coupe les films en plein milieu, ça prend le divan le plus moelleux. Ça nous condamne à la chaise droite, ça prend racine, ça mange comme quatre. C'est vrai en plus. Je veux pas de visite. Je ferme les lumières et les rideaux, je fais ma prière, je cache mon auto. Je veux pas de visite, parce que je déteste les surprises quand je me promène en queue de chemise. Parce que la visite, c'est pas futé, ça fait du bruit, puis ça grignote. C'est des petites bêtes bien élevées, faut leur faire bouffer des peanuts. Mais le problème, c'est que ça s'attache, ça coûte une fortune de pistache. Et quand ça finit par partir, ça nous promet que ça va revenir.